Foufouf YouTube, comment allez-vous? C'est Rasuper, on se retrouve pour la partie 3. Nous sommes sur Far Cry 4, nous sommes sur PC, nous y jouons à la manette d'Xbox 360. Et j'ai une très bonne nouvelle, regardez ce que je viens de recevoir. Grand Theft Auto 5 les gars, sur PS4, on l'a. Alors toi tu fais pas chier, nous l'avons. A noter que j'ai un peu monté le son du jeu sur la vidéo. Parce que je m'étais rendu compte que le son était pas très très fort. Donc je me suis dit, allez, on va refoutre un peu de son. Ça sera pas mal. Donc voilà, GTA 5 les gars, il est là. Je viens de le recevoir. J'ai eu le Wi-Fi. Parce que, eh ben, il se trouve que j'avais raison. J'ai bien fait d'arrêter là. Parce que sinon le mec il serait sûrement reparti avec mon jeu. Donc voilà, donc j'ai bien fait de... Ok, ça passe pas. Ah oui, ici là. Voilà. Donc j'ai bien fait d'arrêter pour aller voir ce qui se passait devant chez moi. Donc c'est bon, GTA 5 est là, il est en train de s'installer. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Franchement les gars, j'ai hâte d'y jouer. Bon, on va pas se mentir, j'attendais plus GTA 5, PS4, alors que c'est un jeu que je connais que Far Cry 4. Mais pour rester sur l'idée du jeu, parce qu'à la base, on est quand même sur Far Cry 4. Franchement les gars, aucun regret, le jeu est juste magnifique et je ne peux que vous le conseiller. D'ailleurs, si je fais un let's play dessus, c'est que je me doute que le jeu sera bon et je me doute que je vais prendre du plaisir à le faire. J'avais pas fait de let's play sur Far Cry 4, sur Far Cry 3 parce qu'à l'époque où je jouais à Far Cry 3, j'avais pas de chaîne YouTube en fait. Je jouais tranquillou de mon côté. Mais maintenant que j'ai une chaîne YouTube, eh ben, je compte en profiter et je compte vous faire le let's play à la fois de Far Cry 4 et de GTA 5. Alors donc, voilà, on est monté au-dessus de la tour, je remonte quand même. Donc, il y a plein de nuages, on pirate. Alors, à noter qu'avant, ils faisaient vraiment un truc juste trop classe, je me souviens. Sur Far Cry 3, pour déverrouiller les tours, ce qu'ils faisaient... Attendez, vérifiez... C'est même pas dur, ça, sûrement. Ok. Ce qu'ils faisaient... c'était qu'ils ouvraient une boîte dans Far Cry 3, ils pétaient le cadenas de la boîte, qu'il y avait, il ouvrait la boîte et il faisait clac, clac, clac. Et en fait, il éteignait la tour radio. Et je m'amusais à faire ça en direct avec lui quand il le faisait sur Far Cry 3, je trouvais ça très fun. Donc voilà, donc là, du coup, j'ai défoncé cette tour radio. Donc j'ai débloqué pas mal de trucs. En même temps, le jeu il s'installe à côté, c'est vraiment pas mal. Quand on débloque la carte, donc à noter que si on veut voir tout ce qui se passe sur la carte, il va falloir faire toutes les tours radio, hein, bien évidemment. Donc du coup, j'ai réussi celle-là. Du coup, on voit les routes, les points d'eau, on voit les animaux qu'il y a dans la région. Donc voilà, le dol, c'est une sorte de petit chacal. Les animaux qu'il y a, les petits trucs intéressants, par exemple, où il y a des objets cachés et tout ça. Par exemple, si on veut voir un rhinocéros d'Asie, il faut venir ici. Rhinocéros, ouais, je pensais qu'il avait appelé rhinoféros. Donc le rhinocéros est là, et ainsi de suite. Voilà, et on voit donc beaucoup mieux la carte, c'est quand même beaucoup plus plaisant. Donc pour faire ça... Eh ben, il faut se taper tous les points radio. Après, le deuxième truc à faire aussi, ça c'est du secondaire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, c'est quand même mieux pour jouer. Moi, je vous conseille de faire toutes les tours radio. Après, le truc qui est pas mal à faire, c'est ça. Les postes avancés. Les postes avancés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toute la région, vous voyez, c'est un peu rouge. Eh ben, en gros, ça veut dire que dans cette région, on risque de tomber sur des ennemis. Parce que justement, leur camp est à côté. Donc, il suffit d'aller dans leur camp, les défoncer, prendre le contrôle du camp. Et grâce à ça, en plus... de limiter les ennemis sur cette partie de la carte, on aura aussi un point de spawn rapide où on pourra donc se TP d'un point à l'autre, ce qui est quand même beaucoup plus classe, je trouve. Ça évite de se taper toute la route à chaque fois. Alors donc, machine de propagande, mission terminée, parce que là, c'était dans le cadre d'une mission, mais les prochains, ce sera à nous de les faire. Donc, vous voyez, on a débloqué des armes gratos. Le déplacement rapide est activé. Et est-ce qu'on peut monter encore plus haut? Non, je pense pas. Donc, normalement, il y a un... Voilà, c'est là. Vous voyez, il y a toujours ça sur les trucs. Enfin, sur les tours pour nous permettre de redescendre direct en bas. Et voilà ce qu'on a pris, les gars. On a pris cette grosse tour. Ce qui est quand même plutôt sympathique. Alors là, on a un truc à faire. Alors, ravitaillement. Le sentier d'or a besoin urgent de matos. Récupérer la marchandise. On fera ça plus tard. Ça, c'est un truc qui m'intéresse pas tellement. Alors, les petits quads, on s'était pas trop... On n'avait pas trop regardé à quoi ça ressemblait. Petit quad sympathique, petit pot d'échappement. Hop, en avant. On va pouvoir dire la vérité au peuple. Oh là là, on va un peu vite.
Qu'est-ce qu'ils me font, mes gens, là? Attendez, parce que j'ai foutu le quad dans la flotte. Sur Far Cry 3, il y avait des crocodiles dans la flotte. Genre! Bien, le bug, bien! Les gars, le feu de camp, il est dans la flotte. Et lui aussi, il est dans la flotte. Oh, le bug de fou! En fait, dans la logique, d'ailleurs, il y a des bestioles là-haut. Je pense que c'est des... non, je pensais pas que c'était ça. Dans la logique, j'imagine que l'eau devait s'arrêter ici, ou alors le campfire, fallait le remonter un petit peu. Oh oui, oh ce bug. Oh, c'est violent, regardez ses pieds. Regardez-les. Ses pieds, ils touchent même pas le sol en fait. Oh la vache. La lévitation, les gars. La lévitation. Bon alors, il y a toujours ces petites fleurs là, si on veut, on peut les prendre. Hein. C'est des fleurs aquatiques. Qu'on ne trouve du coup que dans l'eau. Je sais plus ce qu'elles ajoutent, mais... on pourrait... Bah voilà, regardez. Les plantes permettent de confectionner des seringues contenant de puissants stimulants, débloquer de nouvelles seringues dans le menu compétences. Là, c'est le petit bestiole un peu chelou. Voilà. Alors moi, c'est un truc que j'aime beaucoup faire dans Far Cry, c'est tuer des animaux. C'est un plaisir. Je fais ça avec plaisir. Alors donc voilà, donc lui, il se barre là-haut. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ici? On a des seringues, écoutez, on va regarder au niveau des confections. Kit seringue, donc ça c'est pour transporter plus de seringues. Au niveau des compétences, alors dans Far Cry 3 il y avait ça aussi, c'était sous la forme de tatouage. Alors là je sais pas du tout c'est comment, mais dans Far Cry 3 c'était dans la forme de tatouage. En gros, on avait un bras sans tatouage comme le mien. Et à la fin du jeu, t'avais un super tatouage dessus avec des animaux et tout, qui était d'ailleurs super joli. Et en fait, tu choisissais les compétences que tu voulais et ça les mettait directement sur ton bras. Donc c'était quand même très très cool. Alors au niveau des compétences, qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter? La mort vient d'en haut. Sauter ou tomber sur un ennemi. L'éléphant. Donc on a soit... On a le côté... Tigre ou le côté éléphant. Donc deux animaux majestueux, hein, bien évidemment. Alors, donc, le tigre, j'imagine, ce sera tout ce qui est force, tout ce qui est exécution. Voilà, cible en mouvement, ainsi de suite. Alors que l'éléphant, ce sera tout ce qui est au niveau de la vie. Et moi, de base, je préfère améliorer ma vie à chaque fois. Alors, supplémentaire pour un total de 3. Voilà, compétences, ok. Voilà, donc on a la poudre et tout ça. Donc comme ça, en fait, on améliore. Vous voyez, ça va de gauche à droite, en fait. Avec les trucs qui se débloquent en fonction des missions. L'outil de réparation, moissonneur, Podrino, Cornac. Nous, c'est ça qu'il nous faut. Ok, donc, prochain truc, c'est le Cornac qu'on fait. Donc voilà, donc je sais pas trop ce que ça change. Je sais pas si ça nous a mis un tatouage ou autre. Je ne pense pas, parce que sur Far Cry 3, quand on ajoutait ce genre de choses, on voyait de suite après, en fait. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Viens ici, toi! Viens ici, viens ici! Viens ici! Allez, boum! Elle est belle en plus, la petite bestiole, là. Voilà, ça, c'est cadeau, ça! Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Bonjour! Hop! Ça, on prend... Oh putain, on a trop de... Ah, le petit... Ah non, ça ressemble à Van Gogh un petit peu, le délire. J'aime beaucoup le système de couleurs comme ça. Où il y a plein de couleurs. Je trouve ça super classe. Pourquoi l'affiche, elle clignote? Qu'est-ce que c'est? Maintenir pour retirer. Ah, ok, des affiches de propagande. 1 sur 150, ok. Bah, tu vas t'amuser. 150 affiches à retrouver. Du coup, celle-là, je peux peut-être là... Non, ça, c'est de la peinture. Bah, justement, il y a peut-être un truc à faire. Non. Ok, donc il y a des affiches à retirer aussi. L'arme spéciale Strommer est maintenant disponible dans le comptoir. Ok. Alors, ils crient tous. Je sais pas ce qu'ils croient que... Enfin, je sais pas. Peut-être que pour eux, je vais les défoncer, mais non, c'est pas le but. Alors, papa, est-ce qu'il y a d'autres affichettes par ici, à tout hasard? Carte. Je ne pense pas. Ferme de Prague Bakar. Ok. Là, il y a quoi? Il y a un nid d'armes. Eh ben, vous savez quoi? On va y aller. On va y aller. Alors, marqueur RS. Voilà, en avant.
On va prendre une voiture. Bon. Allez, va pour... va pour le truc. Oh là ! D'où ? C'était quoi ces bestioles là ? Je me suis fait attaquer par des chats mutants, non ? Ouais, je crois que je viens de me faire attaquer par des chats mutants. Allez, go, hop, en avant. Vilain chat, oui. Rejoindre le marqueur, voilà. Allez, on va aller voir ce que c'est. Il y a peut-être des armes à choper, là. Quoi, c'est tout ? Ah, ok, c'est juste pour dire que là, il y a une grosse de... Une grosse mitraillette. Merde ! Pauvre civil innocent. Allez, on va se mettre une petite explosion, les gars. Ok, la voiture, elle repart. Ok, bon, c'est pas grave. On va se mettre une explosion quand même. Donc, voyez, on peut bien faire péter les pneus. Alors, est-ce que quand il y a du feu, ça se propage? Ouais, ça, c'est bien, ça. Belle petite explosion. Et regardez bien. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fait kiffer dans Far Cry. Le feu se propage. Donc, vous voyez, j'ai fait péter le quad. D'ailleurs, le quad se défonce plutôt bien. Et pouf. C'est en train de se propager. Et ça va foutre le feu à tout le jeu. Ça va foutre le feu à, disons, tout ce qui est autour de nous, bien évidemment. Ça va... Vous imaginez sinon le gros incendie de forêt qui s'arrête jamais. Ah, bonjour, c'est quoi ça? Gentil, des petits chats. Le tueur de chatons. Alors, qu'est-ce que c'était ces bestioles? Des dolls. Ok, ouais, donc c'était les fameux petits renards un peu chelous. Allez, hop. Alors, lorsque vous voyez cette icône, ouvrez le menu confection en appuyant sur pour fabriquer un nouvel équipement. Ok, donc vous voyez en bas à droite, là, il y a une petite icône. Alors, c'est vraiment tout piti-piti, hein, ça se voit pas. Mais en gros, ça, ça veut dire que je peux confectionner quelque chose. Je peux confectionner un sac à appât. Voilà, donc là, j'ai amélioré mon sac à appât. Maintenant, je peux transporter plus d'appât. Mais moi, ce que je veux, c'est ça, c'est le holster. Faut que je trouve des loups tibétains. Bon, alors, je sais pas. Oh putain! Petit bug là. Petit cochon. Bon, allez, on va tester un peu la tuture là. J'aime bien parce qu'il y a un mec qui est crevé à côté. Tout le monde s'en bat les couilles. Quel plaisir de se balader. Far Cry, c'est un jeu qui est excellent. Par exemple, là, on prend une voiture, on se barre. Et par exemple, dans cette partie, eh ben, on peut très bien rien faire du tout. Mais rien du tout, juste on se balade, on va forcément trouver des choses à faire, des trucs à regarder. Voilà, c'est ça qui est vachement bien, je trouve, dans Far Cry. Ouch ! Merde. On fait un constat ou non ? Attends, et si je fais une marche arrière et que je les... Ils ont du bol. Je voulais faire une marche arrière et les envoyer sur le côté. Bon, allez, en avant. Je sais pas si vous entendez la radio. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, nous, on va essayer de monter jusqu'au village. Je sais pas c'est quelle route, donc on va se faire ça un peu là. À la barbariane, là. Je sais même pas si c'est par là. Si, 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 le village, il est au-dessus, en avant. On va remonter une bagnole au village. Tiens, c'est la route là. C'est bon, c'est ça. J'ai retrouvé la route, les gars. Pour ceux qui disent que j'ai pas de sens de l'orientation, bah tu vois, en pleine montagne, moi je te retrouve un village. Ah, nous voilà. Hop là, attention. Oh là, oh là là. J'ai failli passer par-dessus la montagne. Voilà, pardon, poussez-vous. Le petit barrage qui servait à rien. Watch. Par contre, le permis de conduire, je l'ai oublié. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a d'auto-école. Et l'autre, il se barre, du coup, il fait... Non, non, je vais pas rester là. Salut. Attendez, on va aller racheter des trucs. Celui-là, normalement, j'ai le droit à une arme. Mais vu que j'ai pas de holster, on va être bloqué. Donc, il faut absolument qu'on trouve... Où sont les loups? Où c'est qu'ils sont? Bon, à mon avis, je vais devoir aller me faire chier à prendre des trucs. On va déjà faire l'émission solo qui est ici. Pour pas trop s'éloigner. Mais bon, déjà, on va voir... Salut, femme!
Que vends-tu? Alors, le Stormer, le Scorpion. Achat personnalisé. Qu'est-ce qu'on peut acheter? En arme de poing. Voilà, là, vous voyez. Elle, maintenant, elle est gratuite. Donc, si je la mets là. Et voilà. Et j'ai ce magnifique petit piou-piou sur moi. Au niveau de la peinture, on peut améliorer la peinture si on veut. Vous voyez, on peut l'avoir en or, en vintage. On peut l'avoir en mode chasseur. On peut l'avoir en rôdeur. On peut l'avoir en moderne. On dirait un skin à la CS. Et on peut l'avoir en argent. Le top of the top. Ok. Au niveau des armes, donc là, c'est la fameuse AK-47 qu'on a. On va la reprendre. Voilà. Alors, l'AK, quant à elle... les canons, on peut rien faire dessus pour le moment. Au niveau des peintures, oh putain, en or. J'adore. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, une AK-47, c'est forcément en or. Je trouve ça juste trop, trop classe. Donc, on peut là, il y a différents skins. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a débloqué? On a rien de gratuit, là, pour le moment. Avec le petit RPG-7, là. Oh, le petit lance-flamme, l'arc, putain, 60 000. Alors, l'arc, je pense que... On va sûrement le débloquer dans peu de temps, j'imagine. Faut juste faire les missions pour les débloquer. Alors là, on a débloqué la Stormer. Ok, mais quand tu vois le prix, tu te dis que t'es pas prêt de l'acheter. Et donc là, on a débloqué des... Alors ça, on va pas l'acheter par contre. Ça, on achète. Ok. Gilet pare-balles. Non. Par contre... 33 000, 120 munitions d'assaut. Oh non. On va juste acheter des munitions. Des munitions de fusil d'assaut, je crois. Je crois que c'est munitions de fusil d'assaut qu'il me faut. Ouais, c'est ça. C'est ça. Comme ça ne va pas coûter trop cher. Merci, jeune homme. De rien, jeune femme! Le merci jeune homme qu'elle m'a dit, ça voulait tout dire. Alors, on va faire cette mission maintenant. Le petit A. Ah, c'est juste la fameuse femme. Ah, l'arc, les gars, je vous avais dit qu'on allait avoir un arc. Je suis sûr, on l'obtient là, en fait. Ah, bonjour. Ami Toff, fais gaffe à ce que tu dis. Bonjour. Continue. Moi aussi, je peux tirer à l'arc. Écoute, j'ai mal réagi tout à l'heure. C'est la guerre. On perd des hommes tous les jours, on a du mal à s'en sortir. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je suis pas un soldat, mais je veux aider. Ok. Bon. Il y a une ferme pas loin d'ici. C'est celle de Kanan, mais elle est vieille et a besoin d'aide pour se protéger des animaux sauvages. Je veux que tu rapportes les peaux intactes, alors prends ça. Badra. Mais enfin! Applique-toi. Essaie encore. Très bien. La tanière des loups. Parfait les gars, ce que je vous ai montré à la cam, c'est tout simplement... Je viens de voir ça dans la boîte. J'ai accès à 500 000 dollars in-game et 500 000 dollars sur le online, sur GTA Online. Donc ça fait zizir. Enfin bref. Alors, trouver Kanan. Conan le barbare. Alors notez que les armes sont interdites en ville, hein, pour ceux qui ne s'en étaient pas rendus compte. Allez, hop. En avant. En avant, Grégon. Si on fait un accident de quoi, on se tue, hein, bien évidemment. Si on va trop vite, c'est fini. Ouais, hop. C'est magnifique. C'est magnifique. Moi, en plus, ça va. Pour le moment, j'ai pas eu trop de soucis d'optimisation. Mais de toute façon, vu que le jeu vient sortir... vient de sortir, je suis sûr, j'ai une mise à jour à faire sur ma carte. Donc il sera encore plus fluide, même si moi, pour le moment, j'ai pas trop de soucis. Qu'est-ce qui se passe? Mamie, s'il te plaît, te barre pas, c'est toi que je viens voir. C'est Amita qui m'envoie. Elle dit que vous auriez... des problèmes avec des animaux. Amita... J'ai pas la moindre idée de ce que je sais. Avec la bière. Oh, regardez-moi ça, et... Oh, mamie. Près de la ferme de Kanan. Y'a quoi, là? Elle en a tué un certain nombre, mais ils sont très agressifs cette année, et je m'inquiète pour elle. Ils ont une tanière dans le coin. Détruis-la. Ouais... Je crois que Kanan range du matériel quelque part dans sa ferme. Tu peux te servir. Au fait, EJ, dépaisse les bêtes. On a toujours besoin de peau.
Parfait, donc en fait cette mission vient de m'apporter un arc et va pouvoir me donner la possibilité d'avoir plusieurs armes sur moi, parce que donc il me fallait des peaux de loup. Alors vous avez vu, j'ai trouvé sa petite planque à mamie là, c'était pas bien compliqué à trouver. Alors elle a des soucis de loup, elle. Bon, j'ai envie de te dire, c'est pas de chance. Ah, là il y en a un là. Les gars, petite photo peut-être. Voilà, donc là il y en a un. Il est en train de bouffer un enfant. Et là, Ranger apparaît. Oh non, c'est quoi ce vieux viseur de merde? Il y avait peu de chance pour que je l'aie en effet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement dans Far Cry, un peu par la suite, on aura un autre viseur. Et moi, j'ai vite fait le changement. Parce que je trouve ce viseur... Enfin, je trouve celui-là, mais vraiment juste... N'importe quoi, voilà, parfait. Hop, j'annule la flèche. Pauvre loup, alors bon, je suis pas un fanat des tueurs de loups. Par contre, le loup, c'est une bestiole que je tue rarement. J'aime bien tuer des cochons ou autre. Mais le loup, non. Le loup, non, je suis désolé. Alors, le point d'observation. Ok. La caverne des loups est là. Oh putain, tous les cadavres qu'il y a. Ok, ça marche. Il y en a un là. Ok. Appuyez sur... Et genre on peut sauter. Parfait. Appuyez sur X pour vous équiper utilement en cas des ennemis et des animaux. Ok. Banzai ! Et là, il n'y a que 10 cm de fond et je me tue bêtement comme un con. D'ailleurs, attendez, avant qu'on se noie, j'ai vu qu'il y avait un coffre. On va aller prendre le coffre. Et l'eau est magnifique. Regardez, là, il y a un coffre normalement. Voilà, là, il y a une petite barque. Voilà, hop. Voilà les gars, ça c'est la passion. Parfait, parfait, parfait. Oh, c'est un magnifique. J'ai l'impression d'être en vacances. D'ailleurs, je crois que cette année, je ne partirai pas en vacances. Je jouerai à Far Cry juillet, août. Voilà, comme ça, ça me coûtera moins cher. Alors, point de compétence, ça c'est parfait. On va se faire les bestiaux. Détruire la tanière des loups. Salut. Voilà, parfait, deux flèches. Oh putain, si j'avais réussi à l'avoir, j'aurais été tellement fier de moi. J'aurais été tellement fier de moi. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Allez, bah tiens, on prend... Oh putain, lui, il a bugué sa bouche. Enfin, sa bouche a bugué, regardez. Oh putain, il a de ses yeux. Vilaine bébête! Alors, en avant. Donc là, on doit détruire la tanière des loups. C'est bête parce que moi, c'est une bestiole que j'aime. Ah. Alors, moi, je prends les pots parce que grâce à ça, les gars, ça sent le holster niveau 50. Doucement, 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 doucement. Oh, le headshot. Et là, ça explose, les gars. Oh, le con! Merde, je pensais pas que ça allait me tuer. Voilà. Donc, évitez de faire ce que je viens de faire, encore une fois. Je ne montre pas forcément le bon exemple. Ah bah tiens, et c'est parfois, on avait justement envie de la refaire, la mission. N'est-ce pas? Vous inquiétez pas, ça va aller vite. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Voilà, cette fois, on va se la faire en... Merde, il y a toujours le truc à rechercher dans l'eau. Et là, les gars, pouf! Alors, direct sur le bateau, je prends le truc, je remonte à l'eau, et là, les gars, on perd pas de temps. Voilà, parfait, on se noie pas. Bon, on avance, donc vous voyez, faites gaffe au bidon, ça explose, et assez souvent, ça fait mal. Par contre, je sais pas si ils le savent qu'il y a un bidon dans leur truc, là. Alors, genre, toi, t'es déjà mort, alors que je t'ai même pas tué, d'ailleurs. Ok, toi, je peux pas te loot. Salut, les loups! Allez, hop. Doucement, doucement, t'en dirais mon chien quand il veut me sauter dessus. T'en vas se faire nous aussi. Comment je vise juste trop mal, les gars. Oh, hop là! Je t'ai stoppé dans ton élan. Qu'est-ce qu'il y a? Peau de loup, il en manque une. Ok.
Il en manque une. Le souci, c'est je suis plein, je peux plus rien ramasser. Ah si, c'est bon. Oh non, parce que moi, il me faut les peaux de loup. Hein. Voilà, là, normalement, c'est beau. Parfait. Donc là, je fais confection. Oh putain, déjà! Ouais, j'ai un holster de 2 sur 3 maintenant. Alors maintenant, je peux porter une arme de poing et deux armes de n'importe quel type. Alors là, vous voyez, ça fait plaisir. J'ai débloqué en haut et là. Donc là, ça fait zizir. Il faut que je retue des loups encore? Ah non, maintenant, c'est des ratels. Ok, parfait. Là, ça fait plaisir, là. Voilà pourquoi il faut faire gaffe aux peaux, parce que les peaux, c'est important. Vous pouvez les vendre, mais vous pouvez aussi, et moi, c'est ce que je vous conseille, les garder sur vous et augmenter tout ça. Parce que du coup, grâce à ça, là, j'étais bloqué au niveau des armes. Je pouvais rien transporter de très, très intéressant. Et ben maintenant, c'est bon. Salut! Doucement, loulou, doucement. Je suis ton ami. Je viens en paix. I'm friendly, comme diraient certains. Alors, oh putain, il y a des gens partout ici. Allez, tout de suite, je te fouille. Oh putain, on est presque à 50 000, les gars. Maintenant, LB pour ouvrir la roue des armes. Appuyez sur Y pour vous équiper de flash incendiaire. Ou appuyez sur X pour vous équiper de flash normale. Ah, c'est pas mal du tout, ça. Mais pourquoi il me propose ça, je... Ah, ok. J'ai compris. Il veut que je fasse tout péter. Waouh! Tu vois, je comprends mieux pourquoi il fallait pas que je reste dedans, en fait. Oh, ça fait une de ces explosions. On voit même plus où on est, là. Oh, cette fumée de fou. Oh, putain, il y avait des cadavres à l'intérieur. Je crois qu'on n'est pas prêt de les rendre à la famille. Ah, le loup, je prends fin de loot, celui-là. Et là, il y a un loup qui arrive, il me saute dessus, il me tue. Bon, allez. Ouais, ouais, il y a des loups, il y a des loups, il y a des loups. Fonce! Fonce, fonce, fonce! Oh, c'est courageux. Allez, go! En avant. En avant, en avant. Bon, ma foi, plutôt pas mal, cette petite quête. Enfin, cette petite mission qui m'a rapporté, donc, l'arc. Et la possibilité de porter plusieurs armes. Et c'est surtout ça qui est très intéressant. Parce que avoir... Oh putain. Parce que avoir une seule arme, c'est un peu limite. Alors, on va revoir l'alcoolique anonyme, là. Bonjour! Hey, Badra. Tu vas bien? Oui. Je vous apporte ces peaux, j'ai pensé que ça pourrait vous servir. Mmh. Elles sont belles, AJ. Mais garde-les. Elle en a assez pour ces tableaux de Tanka. Pardon? Des Tanka? Celle-là parle de la vie d'un gourou. Ça, c'est le démon Yalung. Celle-là parle de la déesse Kira. Et celle-là parle de Badra. La prochaine Tarun Matara. La Tarun Matara est une déesse vivante. Presque 10 sabals. C'est pas une vie pour une gamine. Être traité comme un objet, une chose. Merci pour ton aide. Plus tard, on te montrera comment les utiliser. La tanière des loups, mission terminée. Avec l'XP qui va bien. Hey, quand t'auras le temps, va voir Longinus. C'est un ami du Sentier d'Or. Il sera reconnaissant de ton aide. Longinus, tu dis? Oui. C'est un marchand d'armes et un prêtre, aussi bizarre que ça puisse être. Longinus est un peu dingue, mais si tu veux des armes, c'est l'homme qu'il te faut. Je t'envoie ses coordonnées. Speed control, vous avez vu ce qui était mis derrière? Et l'autre, il est venu... Oh, ouch! L'autre, il est venu ici, il s'est raté, du coup, il fait demi-tour. Il fait, oh non, non, pas toi, je veux pas voir ta gueule. Bah, lui aussi, il fait ça. Ou alors, ils se disent, oh non, merde, c'est le village de la folk alcoolique. Vite, faisons demi-tour. Oh, le pouce-pouce! Moi, je vais essayer ça. Attendez, d'abord, on va dans la track. Ok, les planches, ça sont revenus, les gars. On en parle ou quoi? Allez, hop, passe-moi des munitions. Non? Oh! Oh, putain, j'avais pas vu ça! Les gars, toujours être curieux. Toujours. Regardez. Si j'étais pas venu ici, je l'aurais pas su. Enfin, si j'étais pas revenu. En fait, l'un d'entre vous m'aurait dit dans les commentaires, il m'aurait dit...
Ouais, Ra Super. T'es bête qu'il y avait des flèches à prendre. Et je l'aurais même pas vu. Ok, donc mamie, elle a sa planque en bas. À mon avis, quand elle est trop bourrée, c'est là qu'elle vient. Allez, hop. Parfait. Bon, les gens, on va se laisser là-dessus pour cette partie 3. J'espère que ça vous a plu. On était sur Far Cry 3 PC. On continue le let's play juste après, les gars. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Monsieur Ra Super HD. Les gars, à très bientôt, c'était un super. Tchou!